Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream sur Holicube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine. Et on se retrouve pour continuer notre hangar et on va passer une petite partie de la soirée ensemble pour poser surtout le sol. On va travailler essentiellement sur le sol de ce hangar. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son est bon. Et du coup, bienvenue à Pixtam, bienvenue à RoboFox, bienvenue à Nono 090305, bienvenue à Arcapoux, bienvenue Ninja, Ninjda, Ninjde, salut Sir Monfred, salut Nathan, salut The Osloth, salut Declo, et merci à tous pour les follow, il y a déjà plein de follow, merci beaucoup. Et salut Lekikudate, ou Lekikud YouTube peut-être. Salut Christopher, salut Dragonfly Mimi, et je vais très très bien, je vous remercie, bienvenue à vous, et coucou Blague, bien dormi, oui, je suis très bien dormi, oui, à peine assez, mais je suis très bien dormi. Du coup j'ai vu passer une question par rapport à mon casque, et oui, je l'ai un tout petit peu modifié, je vous montre ça en mode un peu mieux, je ne sais, la différence est minime, mais j'ai un peu plus accentué la transparence. Donc en fait, les bordures sur les côtés sont moins visibles. Je crois que j'étais à 29% d'opacité, et là je suis passé à 20, je crois. J'étais à 39, je suis passé à 20. Enfin bon, j'ai baissé l'opacité des bordures sur le côté. Voilà, on voit moins les bords exactement. Donc moi ça, voilà, je pense que c'est bien, c'est ce que vous m'aviez dit, hein, que ce soit un peu moins visible, et je pense que c'est pas mal. On le voit quand même, mais c'est pas mal, voilà. Je pense qu'on va garder ça, encore une fois, on est en mode test, hein, on va voir ça. Et coucou Z qui se connecte. Non, Z il est loin d'avoir fini son vaisseau, hein. Il est énorme son vaisseau, hein. Vous inquiétez pas, il va prendre du temps encore. Hein. Du coup, ce soir, on va continuer le sol du hangar. Je vais reposer les petites enclumes en trop. Donc, pour montrer un petit peu ce qu'on avait fait hier soir à ceux qui n'étaient pas là, eh bien, on a fait le début du hangar, à savoir ces éléments ici. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des trous. Il faudra qu'on aille casser ça. Donc, il faut que je fasse attention aux trous. Donc ça c'est les rampes de lancement pour les chasseurs qui s'élanceront du hangar. Et puis on avait fait la plateforme aussi ici pour supporter le sol du hangar. Et on avait mis un petit peu les enclumes. Mais c'est à peu près tout. Donc du coup on va pouvoir continuer ce soir. Je vais activer le schématique. Et oui, je pourrais mettre les fusées dans la deuxième main, même si là, ce sera moins utile, étant donné que normalement, maintenant, on va être sur du sol, en fait. Il n'y aura pas de vide en dessous de nous. Du coup, pouc, pouc. Donc, il nous faut beaucoup de béton gris en poudre, hein, beaucoup de tertian, de la pierre noire. Voilà, donc on a pas mal de choses à mettre quand même. Pas mal de choses à mettre.
Allez, zou, je vais connecter la Aura Nakam et puis on va pouvoir commencer. Hop. Alors, Aura Nakam. Vais en profiter pour égoutter aussi mon petit sachet de thé. Voilà. Et merci pour les follow. Sub pour le tir. Merci beaucoup pour le follow. Hop, alors. Oh là là, ça freeze un peu. Voilà, c'est mieux. C'est toujours ça quand je lance la Aura Nakam. Voilà. Merci Arthur. Ah oui, alors du coup, en parlant de ça, enfin, je vois le lama, du coup, ça m'y fait penser. J'ai changé les règles par rapport au son. Comme hier, coucou Kalinitas, on était très nombreux hier sur le stream, ce qui ne sera pas forcément toujours le cas. Hein. Là, déjà ce soir, on est moins nombreux, mais c'est normal. Mais il y avait trop de spam de son, honnêtement. Donc j'ai limité fortement l'utilisation, j'ai augmenté le prix et surtout j'ai limité le nombre d'utilisations par stream, en fait. Voilà. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, on a besoin de pierre noire. Hop. On a besoin. La roche, on en a peut-être besoin, mais j'en ai déjà. On a besoin d'escalier, ça c'est sûr. Pierre noire, je sais pas. Andésite, je sais plus. Allez, on va déjà commencer par ça. On va commencer par les plateformes. Et coucou Charivari. Alors, on va faire attention à ne pas tomber. Ah, c'est les barrières en fer qu'il me faudra. Donc. Ah, ça commence bien. Ouh, on veut le vers d'autres cieux. Tac. Un énorme merci à Calice pour ton 23e mois et j'ai pas assez de doigts pour les faire tous. Merci énormément. Bientôt les 2 ans, ça commence à faire un peu exactement. Merci beaucoup pour le soutien, merci pour ton gros sub. Merci énormément et bienvenue à toi, Calice. Bienvenue. Hop. Bienvenue à toi. Hop. C'est pas dans le bon sens. Donc, normalement, si on fait bien notre taf, à la fin de ce stream, il devrait y avoir nettement moins de spawn d'Enderman. Hein, parce que c'est un peu relou. Hein, il faut le reconnaître. Vous êtes relou, les gars, en fait. Pour le dire vite et bien. 2 ans, mais c'est énorme quand même. Purée. Oh. Ça veut dire que ça va faire bientôt 2 ans que j'ai le partenariat en fait. Pas le partenariat, pardon, le. La fi comment c'est comment c'est? T'es affilié? C'est ça l'affiliation? 2 ans, purée. Ça ne rajeunit pas tout ça. Pourquoi c'est un escalier ici? C'est bizarre, à mon avis c'est une erreur. Rends-moi mon escalier.
Et coucou Fable. Affilié, oui. Of course. Of course. Et non, je ne suis pas rentré dans le club fermé, semi-ouvert, semi-fermé, des partenaires. Un jour, peut-être. On verra. Hop. Stax. Ton petit bout à quel âge déjà? Si je te dis pas de bêtises, j'ai autant d'ancienneté que son âge ou pas loin. Exact. Exact. Oui, donc en fait, j'étais même affilié avant. Purée, ça passe vite. Je pense que je suis passé affilié... Ah non, avant je faisais des streams vraiment YouTube et Twitch. Donc non, peut-être pas. En vrai. Hop. Mais oui, mon petit bout aura 2 ans en janvier. Donc oui, oui, oui. Question sans doute stupide, mais c'est quoi le délire des pépites sous le chat? Les pépites, ce sont les points de chaîne, et avec ces points de chaîne, tu peux déclencher des interactions avec le stream. Essentiellement, tu peux déclencher des sons, en fait. Tu peux aussi acheter des emotes, tu peux acheter des messages mis en avant, voilà, ce genre de choses. C'est ça le délire avec les pépites. Voilà, changer ce genre de truc. Alors, nous allons mettre le jeu en lolcat. Wouhou. Merci, Aka. Et du coup, j'ai limité. J'ai augmenté le prix des choses. Et j'ai limité. Donc, je crois que le changement de langue, c'est tous les 15 minutes maximum. Et on peut genre le faire pas beaucoup. Et du coup, nous avons, merci lag, un chat en emote. Donc, allez-y. Lâchez-vous, faites péter les emotes pour que ce stream commence dans la joie et la bonne humeur des emotes. N'hésitez pas à en mettre plein de différentes pour en faire spammer plein sur l'overlay du stream. Voilà, ça pétouille de partout, ça pétarade, c'est un feu d'artifice d'emotes. Et merci pour les follow, bienvenue sur la chaîne, en pleine pluie d'emotes. Oups. Hop. Alors, au fait... Ah mais je suis pas allé assez loin. Et on va peut-être commencer en vrai par l'éclairage. On mettra peut-être les lanternes marines en fait. Comme ça on sera un peu plus tranquille. Donc là, c'est bon, c'est fait. Il faut que j'aille rechercher de la pierre noire. Et merci à tous pour votre pluie d'emotes. C'est terminé. Et bonsoir, Belzex. Bienvenue. Alors, est-ce qu'on prend les trappes en fer? Yes. Ah oui, alors la langue... Weird White Rock, Cirque, c'est du lolcat. Voilà, voilà. Voilà. C'est la spécialité d'Akalis. Hein. Akalis, il parle en lolcat, il mange lolcat, il vit lolcat,
Puisqu'à chaque fois, il veut qu'on mette cette satanée langue. Voilà. Vous voyez ça avec lui. Hein. Cas de... Réclamation. Pourquoi je peux aller plus loin alors ici? Et en fait, ça, hein. Quitte à y être vers le terminus. Hein. C'est quoi l'accent lolcat? Faut parler avec un ce sur la langue, non? Je sais pas. Une histoire de chat. Alors, ici, nous en étions là. Ouh, depuis longtemps, PXTAM. Alors après, objectivement, depuis combien de temps, je ne sais pas. Mais... suffisamment longtemps pour que ça existe depuis qu'on change la langue sur le jeu. Un énorme merci à Fable qui rejoint la confrérie des enclumes avec son sub. Merci infiniment, merci beaucoup pour le soutien, c'est très 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 généreux de ta part. Merci beaucoup Fable, bienvenue à toi. Alors pousse-toi à l'Enderman, pousse-toi. Voilà, merci. Oups, oups, c'est pas le bon bloc, c'est pas le bon bloc. Hop. On va quand même laisser les fusées dans l'inventaire, dans la barre d'action, au cas où, quand même. Hop. Comme ça, je m'endors. Mais non, je m'endors pas. Pas encore. Hop. Merci, cher Ibarri. Hop. Bon, pas que je m'ennuie les gars, mais vous êtes quand même très nombreux. Hein. Hop. Ça devient infernal, les Endermen. Hein. Vous n'êtes pas sérieux là. S'il fait vraiment bien au casque, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Après, c'est vrai que. Encore avec l'overlay du stream, je sais pas trop ce que ça donne. Pas de soucis, t'as quoi. Non, non, t'as pas de retard, t'inquiète pas. On a commencé il y a quoi. Il y a 20 minutes presque. Mais on a papoté un peu, tu sais comment c'est, les lancements de stream, tout ça. Donc voilà, on commence juste tranquillou à reposer du cube pour commencer le sol du hangar. Hop. Mais on est obligé de se frayer un chemin au milieu des
Zendermen. Et ils sont plutôt envahissants, comme tu peux le voir. Bon, alors tiens, j'ai une question parce que ça me... voilà. Est-ce que vous avez joué dans le chat à alors je sais pas trop comment faut le prononcer, mais à Genshin Impact. Genshin Impact, c'est comme ça que ça se prononce. Donc Joueur du Grenier a fait une OP dessus. J'avais déjà vu Xeleco y jouer. Voilà, j'ai entendu un peu parler de ce jeu et j'avoue que je suis assez tenté d'essayer. C'est un free-to-play chinois qui apparemment a plein de qualités, notamment le fait d'être un vrai free-to-play, c'est-à-dire que, a priori, même si beaucoup de choses t'incitent à dépenser des sous hein, par le système de boutique, c'est pas non plus pay-to-win et ça peut se faire en mode tranquille ou pépère. Alors, moi je pensais pas y jouer sur téléphone parce que mon téléphone ne le supporte pas non plus. Donc je pensais jouer sur le PC, mais il est dispo sur PS4, et d'ailleurs je ne sais pas si je peux par exemple l'installer sur les deux, et genre jouer sur PC, et puis de temps en temps, si j'ai envie d'y jouer dans le salon, y jouer sur la console avec le même compte. Je sais pas si ça marche, ça. Ça m'intéresserait, si ça marche. Et du coup, j'aimerais l'essayer en fait, enfin j'aimerais avoir votre avis. Je sais que j'aurai absolument pas le temps d'y jouer, donc voilà. Ce serait... Voilà. Non, il est gratuit, Salut Sofintech. On parle de Genshin Impact. Alors, c'est un jeu d'aventure solo. Alors, c'est ça qui est un peu étonnant. Il y a du multi, mais a priori, c'est un jeu free-to-play, un jeu d'aventure solo. Et ça, c'est assez rare pour le signaler. Donc, il y a tout un scénario à faire tout seul. Un jeu d'aventure qui s'inspire... dans certains aspects de Zelda Breath of the Wild, pour le côté exploration. Il y a aussi des combats un peu tactiques, style jeu de rôle japonais. On est dans un univers très manga sur les... au niveau de l'apparence. Et au niveau du style graphique, ça me fait énormément penser à un jeu que j'ai fait sur ma chaîne en let's play intégral, c'est Tales of Zestiria. Que j'avais terminé sur ma chaîne, et du coup c'est un genre de jeu que je peux apprécier en fait. Enfin, en tout cas la patte graphique, voilà, ça a l'air sympa. C'est pas mon genre de jeu de prédiction, mais voilà. Du coup j'étais un peu curieux, et même si j'ai absolument pas le temps d'y jouer, voilà, j'étais prêt à prendre le risque gratuit de l'installer. Ah là là, ta quiz. Il y a cross-save partout, sauf avec la PS4. D'accord, super, merci Sofintech. C'était la seule cross-save qui m'intéressait. Enfin, c'est pas ta faute, hein, mais... C'était... Oup, oup, oup. Pourquoi ici, il y a ça? Bon, je sais pas. On va le laisser. Non, mais il y a rien, là, du coup... Ça doit être une erreur, ça. Hop. Bon, on a fini ici. Du coup, on va peut-être faire juste ici l'étage au-dessus pour que ça spawn plus ici, en fait. Mais ça spawnera encore là. Ouais, fais chier, Akelis. T'as raison. Salut Dermaneruk. Oui, c'est Charivari. Tiens, d'ailleurs, en fait, Charivari. Ah, regarde. Ah là là. Cross-platform. Eh ouais. Alors, mes affaires... Oula, tu vas pas me pousser, toi. Mes affaires économiques, tu veux dire, Sofintech? Si, si, si. Sache que je n'ai jamais vendu autant avec la Orana Corp. Aurélien Sama ayant décidé de faire le temple de la Sainte Frite en version
en version Pierre de l'Ende, j'en ai vendu beaucoup. Ça ferait un peu violent dans Emote Winnie avec l'ourson et l'enclume. Alors, où est-ce que j'ai mis des Stone Slab? Dalle en pierre noire, non, bloc de fer. Je peux en prendre un peu. Pour les portes, roche noire, tatata, muret de roche noire. J'ai pas de dalle en quartz lisse. Bah elles sont... Bah, bon, je peux... En vrai... Bah... Est-ce que ça fait partie des trucs que j'ai pas... crafté? Possible, hein. Oui, c'est vrai. Le fait que ce soit chinois, je me suis dit mais bon. Eh bah écoutez, je crois que je les ai pas. Ça devait faire partie des petits trucs où je me suis dit j'en ai pas besoin de tant que ça, j'irai le chercher ici. Si, à droite. T'es sûr? À droite? Stone slab? Est-ce qu'elle est en pierre taillée? Est-ce qu'elle est diorite? Basalte, dalle. Là, c'est des dalles en quartz lisse. Derrière. Vitre noire, redstone, dalle en pierre noire. Non? Non, non, non. Winnie, c'est chinois. Non, je parle du jeu vidéo. Je parlais du jeu vidéo. Oui, on essaie d'avoir 300 000 conversations en même temps sur le stream. C'est... Donc. Voilà, hop. Et coucou Mimiche. Chut, chut, c'est fou, il y a Mimiche qui arrive. Chut. Voilà. Bon. Arrêtez tout. Arrêtez les sons, tout ça, tout ça. Mimiche. Oui, c'est vrai. Winnie, il est interdit en Chine, c'est vrai. Parce qu'il faisait trop penser à Xi Jinping. Et que c'était devenu un nom de code pour le caricaturer, en fait. Enfin, nom de code. Ah non, on avait dit pas les sons. Hop, voilà. Pas les sons. Voilà, on peut jouer avec les... On peut faire du mix de single layer. Bouh. Ah, j'ai pas la date. Pas la ref. Oh non, mais Mimiche, non, pas toi. Ça y est, Mimiche, il a craqué. Bon, si même Mimiche craque, c'est foutu. Alors, pourquoi ici? Oui, parce que c'est du jaune en vrai. En langue des signes. Mais what? Alors, on met pas tout, parce que voilà, on met pas tout. Hop. Rien à voir avec Patrick, hein, quand je dis on met pas tout. Elle était pas terrible celle-là. Elle était pas terrible. Hein. Non. Du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez peut-être remarqué, je vais le montrer à tout le monde. Voilà, j'ai modifié légèrement l'overlay du casque. Enfin, l'overlay,
ce que je rajoute à la place du casque citrouille en fait, et je l'ai fait plus transparent, légèrement plus transparent. J'ai diminué l'opacité en vrai. Et voilà, a priori les premiers retours du stream sont plutôt positifs. Donc j'espère que ça vous conviendra cette opacité. Hop. Mais poussez-vous. Oh là là là. Non, j'ai pas essayé. Alors en fait, Derman et Ruk, j'ai pas pu jouer aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que hier soir, j'ai coupé le stream. Et pendant que j'uploadais la rediff pour qu'elle soit disponible sur ma chaîne aujourd'hui, j'avais mon Photoshop qui était encore ouvert. Parce que j'avais juste travaillé sur le casque juste avant de lancer le stream. Donc mon Photoshop hier soir était encore ouvert, donc j'en ai profité pour légèrement diminuer l'opacité parce que ça m'a pris 3 secondes. J'ai éteint mon PC et je l'ai rallumé ce soir à 20h30 juste avant de lancer le stream. Donc j'ai absolument pas du tout eu le temps de m'occuper de quoi que ce soit d'autre en fait. Voilà. Alors on va chercher de la roche parce que j'en ai plus. Mimi, je ne te permets pas. Et coucou Pixie, bienvenue. Welcome. Alors, hop, hop, hop. Pas trop pourquoi ici j'ai mis de la diorite alors qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est une erreur du schématique, je ne sais pas. Enfin, une erreur de... pas du schématique mais une erreur que j'aurais fait avec World Edit quand j'ai fait une symétrie, un copier-coller. Le nombre d'Endermen c'est incroyable. Merci cher Barry. Après, normalement, c'est moins risqué hein, ce soir. Mais je sens que cette phrase, vous allez me la ressortir si je fail. Moins risqué ne signifie pas absence de risque. Ah bah d'ailleurs, ça c'est un risque à la con. J'étais dans une zone où j'avais pas de régène, vous avez vu un peu le coup qui m'a fait. Coucou Marco. Mais c'est surtout à cause du... J'ai eu peur là, parce que... En fait, si j'étais mort à l'endroit où l'Enderman me tapait, tout mon stuff il partait dans le vide. C'est bon. Je me suis laissé emporter là, donner le petit coup pour que l'Enderman il s'en aille. C'est trop vert. Ça fait 35 minutes que le... Non. T'es sérieux, Marco? La blague est valide. Ouais, effectivement, ça fait un moment. Ouais. Ouais, mais ça fait pas si longtemps que ça. Tu triches, Marco. Tu m'as fait peur. Ok. Est-ce
Mais je me suis fait eu. Tellement de blocs à mettre sur cette couche là. Que ça part un peu dans tous les sens. Donc là on avait fait. Bon, je crois que les Endermen en fait ils vont encore spawner pendant longtemps parce que sur les murs, pour l'instant j'ai pas vraiment de moyen de rendre ça non spawnable, à moins de tout faire quoi. Donc au final, on va pas tout faire ce soir là des murs donc. Tout le monde va se mettre en vert pour passer pour des modos. Bah bravo. Et coucou. Ah au fait, je suis toujours muté, ça va pas ça. Hop. Hop. Ah. J'aurais pas être muté. Eh, hey, Zed il est en live aussi. Du coup est-ce qu'il stream ici? C'est pas. Mais Jarivari, t'étais pas en rose avant, si? T'étais pas plutôt en violet? Ne changez pas de couleur. Ne changez pas de couleur. J'ai regardé les différents modèles de Fermacorus, Fruit Flower, et y a rien de vraiment terrible, pas grand chose de full auto à moins de partir en mécanique, what the fuck. Donc si tu veux faire, on va falloir en faire un minimum. Ouais, mais t'es sûr qu'il y a rien de AFK? Même s'il faut que je sois dans une machine avec des wagonnets quoi, mais il me semblait qu'il y avait moyen d'être AFK. Après j'ai pas besoin d'une production énorme. Hein. Une petite production locale ça suffira. Il est sur le vaisseau, d'accord. Merci Mimich. C'est bizarre que ce soit pas symétrique. Il doit y avoir une erreur là. Un oubli. Bon, on va repartir sur le sol. Et j'avais dit qu'on passait aux lanternes. La vision stylée, tu veux dire celle-ci? Oui, c'est un casque, regarde. C'est mon casque. Avec, c'est un, en fait c'est un casque de citrouille mais j'ai un resource pack que j'ai fabriqué grâce à Mimich aussi qui est, j'ai fait le modèle en 3D en fait. Donc j'ai voilà, j'ai mon petit casque en 3D ici. Et le HU, enfin le truc autour c'est ce qui remplace la vision des citrouilles en fait. Voilà. Oh GG Marco, les 64 000 épites, les 60K Marco. Tu peux offrir le VIP à quelqu'un. N'oubliez pas cette possibilité hein, d'offrir le VIP. Tu peux l'offrir à Charivari par exemple. Ça lui en fera deux, voire trois. Elle sait plus quoi en faire. Et merci pour les follow. Donc, lanterne marine. Hop. Non, pas les fusées. Allez, on éclaire. Hop. Comme ça, ce sera fait. On pourra virer sereinement toutes les torches. Ou presque, parce que là, en fait, ça y est.
Là, c'est au-dessus que ça va éclairer. Oui, Pigstam, on peut le dire. C'est parce que tu as dépensé sans compter. Hola Marceau, bienvenue à toi. Poussez-vous. Ils se mettent pile poil où je dois mettre la lumière, quoi. Z, il doit se dire que c'est plus tranquille là où il est dans l'end. Il est moins embêté par les Endermen. Ils sont tous là. Ah, faut que je l'enlève cette commande. La commande commande. C'est plus valide. Non mais cet attroupement d'Enderman. C'est horrible. On fait quoi après? On va peut-être faire les lignes orange, tiens, ça serait joli. Bah, ça sert à rien parce que pour l'instant il y a encore plein de zones spawnables. Donc tant que j'ai pas éliminé les zones spawnables, certes ils vont despawn quand je vais m'éloigner, mais par contre après ils vont revenir dès que je vais me rapprocher. Donc d'abord que je rende le truc non spawnable avant de les faire partir, quoi. Alors. Ah non, c'est pas là.
Et coucou Starfleet! Bah même si tu restes pas longtemps, c'est très gentil de passer, bienvenue à toi. Hop. Bon, ça peut spawner à certains endroits, mais... Apparemment, c'est faisable, Sir Monfred. Apparemment, c'est faisable, mais... Je sais pas comment. Mais qui disait que c'était faisable? Vartak disait que c'était faisable. J'ai plus de place dans l'inventaire. On va aller poser les blocs d'endstone, a priori on n'en a pas trop besoin. Derman et Ruk, oui parce qu'il faut que je désactive les commandes. L'arc endommagé. Mais c'est mon super arc. Forever's. Pourquoi il y a écrit for... Flame power for never break forever's. C'est le Mendings. Plusieurs années. Lumière, c'est pour ça. Lumière de distance, on va mettre. Hop. Ah, j'ai plus de passage. On va passer sur le côté. Alors. Oui. Oui, LMDC, ce serait bien, mais je sais pas comment faire. Mais c'est vrai que pour mettre ce que je fais, pour faire ce que je fais, ce serait bien. C'est dingue, j'ai RP sur ce serveur. Oui. Hop. Il n'y a pas de lampe de ce côté-ci. Je pensais qu'il y en aurait. Bah, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Alors, faut qu'on pose des blocs. Dans la liste de matériaux, tu peux ignorer certains blocs. Ouais, mais ça c'est que pour la liste en fait, c'est pas sur le schématique. Ça l'ignore pas là en fait. Là ma peine elle m'a servi un tout petit peu.
Hop. Bon, de toute façon, on verra hein, si on a besoin de plus de lanternes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un stack de lanternes. Pas un stack, mais un petit bout de lanterne. Ensuite, on va poser... On va poser ce qui est en cobblestone parce que ça, j'en aurais moins besoin, je pense. Pierre taillée, hop. Et escalier en pierre taillée, hop. Du coup, je voulais prendre le orange. Par contre, c'est du béton en poudre. C'est du dur. Non, c'est du dur. Allez, on va mettre le béton orange, ça va claquer. Béton rouge. Béton orange. Hop. Ok. Ok, pas de soucis, Mr. Chic. Et remets-toi bien, du coup. J'ai plus de fusée. Oh, mes fusées. Mes fusées. Allez, on met le orange. Le orange du futur. Le orange qui claque. Oups. Ouais, ça claque. Je vois sur le retour de la Oranakam. La chie, l'orange. J'ai mal, j'ai un peu mal au poignet ce soir, dis donc. J'ai trop joué. Yes, c'est moi qui ai designé le schématique d'Herman Eruk. On a fait ça il y a une semaine et demie à peu près. Il m'a fallu 3 streams, 3-4 streams. Les rediffs sont sur ma chaîne YouTube. Et puis la semaine dernière, on a creusé le trou en 2 bonnes sessions. Puis on a fait une ou deux sessions où on a farmé les matériaux. Donc on n'a pas fait que ça, on a fait un peu de bourse aussi. On s'est occupé un peu de la bourse du cube 40. Mais voilà. Le poignet avec lequel j'ai écrit. Oui, main droite. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je tiens la souris avec. C'est ça, sa force de mettre des punitions. La force de faire ça, en fait. Ça fait mal au poignet, en fait. Il y a du orange ici, tiens. Oui, mais c'était pour le principe et l'illustration, Charivari. Voilà. C'est parce que t'as changé de couleur, ça me perturbe. Faut que je mange. Non mais garde-le, hein, Charivari, il va falloir que je m'y fasse, c'est tout. Oh.
Non, je prends soin de vous, au contraire, et j'ai changé les paramètres des sons pour que ça spamme moins. Franchement. Pas de quoi les modos pourraient se plaindre. Hein. Hop, allez, on va rechercher du orange. Qu'est-ce que tu... Starfleet, tu t'es mis orange, c'est ça? Eh ouais, orange, couleur du futur. Hein. Et coucou Mister Guimauve. Et merci pour les follow. D'ailleurs, j'ai changé le message du follow. Alors, pas le message du bot, mais le message qui s'affiche au milieu du stream. Et comme quoi, j'écoute mes modos. Eh ben bon courage Derman et Ruk. Est-ce que quelqu'un peut follow pour qu'on vérifie qu'il y a bien un changement de message? Voilà, il nous faudrait un nouveau follow s'il vous plaît. Exactement. En plus les modos ils demandent des trucs et puis en fait après ils s'en foutent. Voilà, merci beaucoup Belzex pour le follow. Mais comment ça Belzex, t'avais jamais follow? Non mais c'est honteux. Depuis le temps que tu viens sur le stream. T'attendais le bon moment, c'est ça. Voilà, alors, j'ai aussi fait un message d'alerte inédit pour les dons de 3 milliards de bits. Est-ce que quelqu'un peut faire un don de 3 milliards de bits pour qu'on vérifie le message? Mais attention, hein, en dessous, ça ne s'affichera pas, donc il faut vraiment faire un don de 3 milliards pour que ça, pour qu'on fasse le test, quoi. Important, c'est pour la science. Voilà. Comment ça? Personne? Personne? Aïe aïe aïe. Bon bah écoute hein, puisque tu en demandes... Non ça n'a pas marché. Ah il n'a pas marché mon coup de fouet. Attendez, attendez, attendez. Voilà. Il n'avait pas marché mon coup de fouet, j'avais fait du R coup de fouet. Bon, il a eu peur l'Enderman du coup de flèche, donc lui il s'est barré en fait. Hop. Contactez Elon Musk. Ok, lag, pas de soucis. Et Elon Musk, pourquoi il fait des dons sur Twitch? Parce qu'Elon Musk, je sais pas, il est pas si riche que ça, hein, c'est plutôt Jeff Bezos qui est riche. Dans le domaine. Du R coup de fouet. C'est vrai. Mimiche, une diminution. Une augmentation, tu veux dire.
Et merci Torgal de Caer, merci à toi pour ton follow. Et bienvenue sur la chaîne. Et j'ai déjà plus de béton orange. Ça paraît une vitesse le béton. Oups, petit freeze. Hop. Allez, après j'ai envie de mettre le basalte. Hop. Fini béton orange et après on met le basalte. Attention, j'ai pas dit on met le bazar. J'ai dit on met le basalte. Ne pas confondre. Ça n'a rien à voir. Je viens de m'acheter la nouvelle Apple Watch série 6, j'ai plus de sous sur le compte flûte. Ah bah c'est sûr que pour acheter cette montre, tu as dû dépenser 3 milliards de bits, effectivement. Hop. C'est bon pour le orange. En fait, il en restait. Il en manquait pas tant que ça. Qu'on est. Ah oui, ça se voit. Ah, ça se voit un peu ici en fait. Mais bon, ça se verra pas à terme. Il y a beaucoup d'Enderman par là-bas, hein. Ça doit pas être très bien éclairé. Allez, à plus Starflute, pardon, à plus Starfleet, et merci à toi d'être passé, à bientôt. Alors, 3 milliards de bits, il manque 80... Oh là là, les modos qui spam le clip, non mais... Arrêtez de spam les modos, vous êtes pas sérieux. Vous êtes pas crédible quand vous faites ça, du coup. Ah là là. Alors, basalte. Alors, basalte. Et basalte. Non, Thomas. La science a beau dos, mais le dos large, mais. Ça fait 177 835. Attends, 177 835 051 euros. Bah écoute, c'est pour la science, hein. Cotisez-vous. Enfin, je sais pas, faites une cagnotte litchi. Enfin, franchement, il y a moyen de moyenner quand même de nos jours. Je prouve que vous êtes tout vous faire aussi. Limite, ce sera à moi de créer la cagnotte, quoi. C'est vrai, Charivari, mais t'aurais pu le faire. Ah non? Même si je vends mon appartement, je n'ai pas tout cet argent. Oui, alors moi non plus. Hein. Ah si, si je vends ma maison, ça va. Je vais peut-être éviter de vendre ma maison pour. Parce qu'après je pourrais plus faire de stream en fait, si je vends ma maison. Je fais mes streams dans ma maison, en fait. Hein.
va faire joli quand tu auras le sol partout. Mais vu tout ce qui reste à faire, je suis même pas sûr qu'on finisse ce soir tout le sol, quoi. C'est long à faire, le sol. Allez, poursuivons le basalte. Hop. Ah, il y en a là du basalte aussi. J'avais zappé ce détail. Merci beaucoup à Calice pour les 100 bits. C'est le début des 3 millions de bits. 3 milliards de bits. 177 millions. Ouais. Ah oui, non, j'ai dit une grosse boulette. Oui, non, mais... Stop, arrêtez tout. Je me suis trompé. Non, ma maison ne vaut pas plusieurs millions. Stop, stop. Stop, stop. Merci beaucoup, Akalis. Merci beaucoup. Oui, non, je me suis trompé, hein, évidemment. Si je vends ma maison, j'aurai 100 fois moins. Même 1000 fois moins. Voilà. Oui, 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 tout à fait, j'arrive à rien. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est du gris. Oh, il doit y avoir une petite erreur. Hop. Ah, quoi que. Oh. Bon. Ça paye bien Twitch. Ah, purée. Voilà, c'est comme ça que naissent les légendes. Sur des boulettes. Ah oui, oui, effectivement. Oui. Je crois que si vous me faites un don comme ça, je suis obligé de travailler. Effectivement. Après, je crois qu'on avait déjà discuté de ça. Je sais pas si j'arrêterai complètement de travailler. Je passerai peut-être genre à mi-temps, je sais pas. Clairement. Clairement, ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Ok. Merci énormément, Lag. Merci beaucoup pour les 100 bits. J'adore la petite emote avec le rip. Ça veut dire que c'est dangereux d'accepter ces bits là, ils sont hantés, c'est ça? Oui, 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 non mais j'ai... oui, je me suis trompé. Merci beaucoup à Calice, et t'avais dit que tu faisais les fonds de poche, mais en vrai, il t'en reste encore un peu. Je te sens pas obligé de vider toutes tes poches. Hein. Du coup, là, en fait, il faut agrandir la plateforme, en fait. Merci beaucoup, Charles Marie, pour participer au financement de la maison à 177 millions d'euros. C'est une petite villa dans Paris. C'est un petit placard dans Paris. Chouchou. Et merci beaucoup, mais vous êtes fous, train de la hype encore une fois à cause de Charles Marie et d'Acalis. Je sais pas si vous avez des intérêts, des points à déclencher des trains de la hype, mais vous êtes les meilleurs. Hein. Je connais personne qui déclenche des trains de hype comme vous. Et merci beaucoup à Calice, mais arrête à Calice. Chouchou, chouchou, chou. Les poches percées, ouais, c'est ça. Juste envie d'avoir de nouvelles emotes, non ouais. Ah.
Regarde la carte, mais c'est un réflexe. Mais en vrai, ça se voit pas. Merci beaucoup, Mimi, je prends 10 bits. Merci énormément. Tchou tchou. Hop. Allez. Ici aussi, on a du basalte à poser. Après, on part sur quelle couleur? Béton blanc, peut-être? Ah, tiens, là, il faudrait aussi que je mette un support, parce que sinon, je peux pas. Ça sera pas la peine. Peut-être qu'il pourrait ranger son fils Harry Potter. Et un sorcière. Non mais. Pas de soucis, sire mon Fred. Et merci beaucoup, Mister Chiluk, pour les 42 bits. Merci énormément. La réponse. La réponse à toutes nos questions, tous nos doutes. 42 bits. C'est beau. Hop. On se revoit donc dans 2 ans, sera quoi la saison 6 de l'Écube? Allez. Lançons les paris. Hop. Ah, mais là aussi, il faut que je mette de la stone. Akalis offre un abonnement à Mister Chiluk. Merci beaucoup, Akalis. Un énorme merci. C'est très très généreux de ta part. Merci beaucoup. Et bienvenue à Mister Giluk dans la confrérie des enclumes. La confrérie des enclumes, je crois que je l'ai mal dit. Hop. Merci beaucoup, Akalis. Et t'en es à combien de subs offerts là? On peut le voir? Non? Parce que t'en as offert pas mal, hein? Fais attention à ton portefeuille panier percé quand même, Akalis. C'est pas parce que tu es un vendeur. Merci Charivari qui offre un abonnement de niveau 1 à Bastien. Merci beaucoup Charivari, c'est très 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 généreux de ta part. Merci beaucoup. Vous faites le train de la hype à vous tous, hein. Les gens ils vont croire que je paye mes modos pour qu'ils déclenchent des trains de la hype et qu'ils les alimentent, hein. C'est un peu de la triche, hein, je dois dire. Je dois vous le dire. Merci beaucoup à Calice qui fait péter les 100 bits. Merci beaucoup Marco. Mais vous êtes fou. Et du coup le chouchou qui passe au niveau 2 de la hype. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous n'êtes pas sérieux quand même. Le TGV entre en gare. Pas mal ça l'idée de Bazon de faire des au revoir préventifs comme ça. C'est vrai, Charivari. Merci beaucoup Mimich pour les 28 bits. Merci énormément. Ça marche. Ça marche Marco. Et salut VG WoW. Mais
Et donc là, avec Olicube, je gagne quand même un petit peu plus de sous-sous grâce à vous, hein, bien sûr. Et du coup, ça paye le serveur, mais je mets un peu de côté pour un nouveau PC. Ça participera au nouveau PC, ça le financera pas intégralement, mais ça participera au nouveau PC. Hop. Merci beaucoup, lag, pour les 200 bits. Merci énormément. 24 abonnements offerts, t'es fou, Akelis, t'es fou. Merci beaucoup pour le soutien. Bon, par contre, je suis pas prêt d'avoir ma maison à 10, à 117, 177 millions, hein, mais bon. Voilà. C'est pas grave. Merci beaucoup, Akalis. Stop, Akalis. Stop, tu peux pas faire à toi tout seul le train de la hype. Mister Gill qui offre un abonnement de niveau 1 à Sir Monfred pour remercier le cadeau offert par Akalis. C'est énorme. Merci beaucoup. GG à toi, Mister Gill. Merci beaucoup. Un prêté pour un rendu. Ou un prêté pour un vomi. C'est comme ça qu'on dit. Merci beaucoup. Un abo offert offre un abo. Ouais, c'est ça. GG. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci pour tout ce soutien. Très gentil de votre part. C'est la fête, effectivement, Pixie. Ça, c'est pour fêter le hangar, le superbe overlay. J'aurais dû le faire plus tôt en fait. C'est Chiluk, pas Giluk. J'ai dit Giluk. Excuse-moi, pardon. Tout à l'heure je l'ai bien dit, puis là c'est le train de la hype qui me monte mal à la tête, c'est pas possible. Non, j'ai pas d'excuse. C'était une excuse bidon. Est-ce que j'ai fini? On peut pas le voir sur le plan. Est-ce que j'ai fini de mettre tout ce qui était basalte? Peut-être qu'il en manque par ici. Yep. Il en manque ici. Voilà, je pense que c'est bon, c'est mieux. Hop. Merci beaucoup à Calice pour les 200 bits. On avait dit que tu arrêtais. Avait dit que tu arrêtais. Missing. Il en manque beaucoup. Mission accomplie. Et Charivari qui balance 500 bits. Merci beaucoup. Merci énormément. Ah, merci beaucoup. Et du coup, j'ai reçu une emote. Merci beaucoup. Allez-y, montrez vos emotes. Tchou Bravo. Merci énormément. Et qui a le train de la hype? C'est le conducteur de la hype, c'est Akalis. Mais vous l'avez à égalité avec Charivari, franchement. Merci énormément. GG à tout le monde. Merci beaucoup. C'est très, très, très généreux. Désolé, Mimiche. C'est pas juste, effectivement. Tchou-tchou. Non, non, non. Non, non, on n'a pas besoin d'un autre train de la hype. Je vous rassure. Sinon, je vais pas survivre. Après, je vais plus rien. Je vais plus pouvoir aligner deux mots sans trop des erreurs partout. Bon, alors tu disais.
Il y a la fonction schématique vérifieur pour voir où sont les trous. Ouais, mais là, il y a plein de trous, là, en fait. Donc, on verra au fur et à mesure. On va passer... allez, on va mettre le béton blanc en poudre, parce que je pense qu'il est facile à mettre. Il n'y en a pas beaucoup. Béton blanc. Béton blanc. Hop, en poudre. On va reposer un peu de basalte. Basalte poli, s'il vous plaît. Hop. Et le basalte non poli. Voilà, j'en garde qu'un seul, un stack de chaque. Et je sais pas comment faire, Mathéo, pour filtrer par bloc. Vous êtes plusieurs à me le dire, mais ça serait pratique. Hein. Je sais pas comment faire. Hop. C'est en quelle langue? Eh bien, Kelia, c'est en lolcat. J'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo parce que ce soir je prononce mal les pseudos. Hop. Après, on mettra peut-être le jaune et le noir. Dormir la nuit. Oui. Ce soir, je vais pas arrêter trop tard. Hein, parce que... Non, demain, ça va être un peu tendu. Hop, et demain soir, il faut que je sois en forme. Parce que demain soir, je ne stream pas, c'est vrai. Mais demain soir, je prépare Holy Business. Et j'ai vraiment besoin de pouvoir me concentrer. Pour être efficace et vous préparer un bon épisode pour samedi. Hop. Yep. Ah non, ça, j'ai le réflexe de vouloir regarder sur la carte, mais il y a un plafond. On peut pas regarder sur la carte. D'ailleurs, il y a un plafond avec un trou. Oh. Ah bah tu vois, parfait, Robot Fox. Allez, on mange. On mange des petites carottes. Et donc j'ai dit qu'on faisait le... J'ai dit qu'on faisait quoi le béton? Je sais même plus ce que j'ai dit. Ah non, le jaune et le noir, on m'a dit. Ah mince, PXTAM, non, faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et bah à plus, Pixie. Mais non, demain soir, je stream pas un Pixie. Je stream, prochain stream, mercredi. Alors, si tout va bien, mercredi après-midi, vers, allez, je sais pas, midi et demi, 13h, 13h30, enfin en tout début d'après-midi, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais je streamerai jusqu'à 4h. Voilà. Et donc, on fera quelques heures de stream sur le hangar en plein après-midi. En général, c'est des streams très sympas parce que je suis seul à la maison, donc je suis plus en mode ASMR, je suis en mode voix normale. Et en plus, il y a beaucoup de monde le mercredi après-midi, donc c'est très sympa. Et après, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si je fais pas de stream Holycube mercredi après-midi, je ferai un stream Difficiles Aventures mercredi soir. Et on commencera le gratte-ciel. Nouveau gratte-ciel sur les Difficiles Aventures. Donc ça promet d'être super, super chouette. Hop. Hop, et béton jaune. Alors il est où le béton jaune? En poudre, hein, je crois. Béton gris clair. Et ben à plus, Fable. Et merci encore pour ton sub. Il est où mon béton jaune? Oui, allô, bonjour, béton jaune. Béton jaune.
je vais reposer la roche parce que je pense que je prends les 4 roches. Ça, c'est un peu le coffre bordel, hein. Il faut bien le reconnaître. Hop. Je pense que je peux poser les trappes aussi en fer pour ce soir. Hop. Voilà. Yes, X-Tam, c'est génial. C'est super. Bah. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, pour le schématique. Merci beaucoup, Mathéo. Alors, comment ça marche? Schématique. Placement. Nom du schématique, configure. Alors, attends. Configure. Schématique vérifieur. J'ai pas de ça. Attends. Attends. Schématique vérifieur, c'est là. Missing block. Attends. Vache. Ouais, mais il en manque beaucoup trop, attends. Comment ça marche? Range. Ah, render layer. Voilà, ça va être mieux. Missing block. Alors, ah oui, d'accord, ok. Donc, si je veux faire apparaître, alors par exemple, si je veux faire apparaître que les yellow, j'ignore les autres, c'est ça? Ah non! Oh, oh trop! Nice! Eh ben, je connaissais pas. Pas du tout. Oh là là. Oh là là. Oh la fonction. Quelle est trop pratique. Merci pour les follow. Et merci Mathéo pour le... Oh. Ah ouais. En effet, tu vois vachement mieux ce qui manque en fait. Du coup, là, pour différencier le béton gris et de la terre cyan, ça va être so pratique. Ah ouais, on est vachement plus efficace. On voit beaucoup mieux les blocs qui manquent, quoi. Oh. C'est excellent. Excellent. Merci beaucoup, ça va faire gagner beaucoup de temps sur certaines choses, quoi. Alors là, typiquement, sur le béton gris et le béton cyan, on va gagner beaucoup de temps. Par contre, vous m'aidez pas, vous. Par contre, faut faire gaffe. Pas tomber, quand même. Et c'est un peu plus dur pour viser. Mais franchement... Pousse-toi. D'accord. Eh ben écoute, merci Vartak. Encore une fois. Franchement, c'est excellent. Ah ouais, ça fait... Quand t'as plein de blocs qui se ressemblent, c'est très très pratique, ça dit donc. Merci LaserGame pour le follow. Bienvenue. Ah non.
Donc là c'est bon. Purée, tellement pratique. Quoi. Alors franchement c'est peut-être moins joli à voir pour vous, je sais pas. Ah. Purée, mais poussez-vous. Hein. Mais franchement, pour moi, c'est très pratique. Eh, j'ai oublié du orange ici. Et comment ça va, Louis? Bah, moi, ça va très bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tes exercices de physique se sont bien passés. Et là, j'ai oublié du orange. Donc, on va aller rechercher du orange, tiens. Ça pique un peu les yeux. Les couleurs vont bien avec le casque. C'est clair. J'ai un casque... Lightmatica Approval. Ah. Ah, c'est clair qu'il y a des blocs, on les voit presque plus en fait. Oh, l'Enderman. Ah, regardez, on voit tout de suite que j'ai oublié des blocs ici. Ah ouais. Ça fait gagner pas mal de temps du coup. Hein. Je vais vous remontrer. Je finis de mettre le bloc jaune et puis après je vous remontre pour les blocs orange pareil. Ah non, 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 non. Tu me donnes le béton jaune, s'il te plaît? Ah non, ma pelle! Oh, l'Enderman, il a voulu me faucher, ma pelle. Comme quoi, tellement de fonctionnalités dans ce mode. Et coucou la famille! Comment je fais ça? Grâce à Vartak et grâce aux infos de chat. Donc on ne peut plus dénigrer les infos de chat. Les infos de chat sont excellentes, précises et tellement pratiques. Je vais te montrer ça à la famille. Pour un autre type de bloc. Donc ça permet vraiment, voilà, en un coup d'œil, on est sûr d'avoir mis tous les blocs de béton jaune, quoi. Oh, c'est tellement bien! Tellement bien. Béton jaune en poudre. Alors du coup, on va vérifier par exemple avec les blocs orange parce que je sais que j'en ai oublié. Donc, on va dans schématique placement, on va dans son schématique. Donc là voilà, on est sur ça. Hop, je me mets comme ça vous voyez bien l'interface. Ensuite, on va ici dans schématique vérifieur. Ici, tu te mets en render layer, c'est mieux. Tu fais start verification et ensuite tu choisis le bloc que tu as oublié de mettre ou celui que tu veux voir apparaître. Ah, tu peux même en prendre plusieurs. Oh lol. Et ensuite, hop, tu quittes tout ça. Et voilà, là-bas, il y a des blocs orange que j'ai oublié. Oh, j'ai oublié un à cause d'une torche. Oh, merci Atlantis. Je vais le prendre. Les infos de chat, vous êtes trop fort. Je reprends béton. Orange, il est où le béton orange? Il est par là, je crois. Voilà, hop. Alors, à cause d'une torche, j'ai oublié un jaune. Voilà, c'était pas un jaune. Je saurais dire où c'était. Voilà, tiens, j'ai oublié un orange. Donc là, voilà, on voit tout de suite les oranges que j'ai oubliées, en fait. Oh, c'est très très pratique, dis donc. Hein. À côté de la torche que tu as enlevée.
évidemment. Yes, bien vu. Merci. Donc maintenant, on va mettre les blocs noirs. Mais ouais, c'est trop bien, hein. C'est très très pratique quand t'as des trucs comme ça qui se ressemblent. Alors, on va faire pareil avec la pierre noire. Donc, schématique vérifieur. On revérifie et pouf. Et voilà, on sait où j'ai oublié les blocs noirs. C'est trop bien. Hop, et je me remets comme ça. Et du coup, plus tu utilises Lightmatica, plus tu découvres à quel point c'est puissant et à quel point c'est trop bien. Regardez, ça nous fait gagner quand même pas mal de temps plutôt que d'y aller. Oh merde. Un petit peu au hasard. Oh mais arrête, Oran, de mettre tes blocs n'importe où, n'importe comment. Ouais, ça va bien avec l'overlay du casque, effectivement. Excellent. Et en plus, avec les Enderman, on voit pas grand chose. Donc, ça nous aide vraiment bien. Le casque, il manque le micro visible. Ouais, ça va faire gagner beaucoup de temps, ça dit donc, hein. La vache. Encore une torche. Ah, encore une torche. C'est vrai que les torches, elles sont un peu pénibles. Ah oui, bien vu. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Je voulais pas surcharger l'interface en fait. Déjà, je trouve que ça la charge un peu. Donc, mais là, j'ai oublié des blocs là. Beaucoup de stone. Bon, attendez. On va finir déjà ça. Hop. Normalement, c'est bon. Ouais, nice. Oh,
Ça va tellement vite pour vérifier du coup. C'est génial. Hein. Oups. Bon, maintenant on va faire le béton gris foncé du coup. Hop. Alors, béton gris foncé. Gris en poudre. Non, pas tout de suite. Béton gris. Hop, du coup, on refait ça, schématique vérifieur, béton gris, c'est ça. Hein. Ouh, il y en a pas mal à mettre là. Et bienvenue Choumiski, bienvenue sur ce stream et nous sommes plus de 100, c'est incroyable. Un lundi soir à 22h45. GG à vous, merci énormément. Tout ça pour vous arracher les cheveux, les yeux plutôt, sur un mec qui utilise trop les thématiques. Béton jaune à ta droite. Oh. Yes, bien vu. Bon, faut que je prenne un peu de béton jaune avec moi. Yes, merci Thomas. Béton jaune. C'est où le béton jaune? J'ai oublié déjà. C'est là. Hey, coucou Asbarod. Bienvenue, bienvenue. Alors, hop. Ah, ces torches. Oui, mais on était bien content de les trouver pour qu'elles empêchent le spawn quand même. Hein. Il faut dire ce qui est. Hop, même si c'est pas la même chose, là on peut mettre pareil en fait. Ça n'a pas d'importance. Là pour le coup, je sais que c'est des escaliers au-dessus donc. Merci pour les follow. Non, sur mon Fred, les rushs de la Oranakam, ça prend très peu de place. Les rushs, je parle des rushs de replay mode. Hein. Par contre, à partir du moment où j'encode, que je fais le tournage des timelapses avec le replay mode, alors là, oui, c'est extrêmement lourd hein, des rushs de timelapse. C'est pour ça que si je veux faire un timelapse de toute ma base, ça va être horrible. En plus, avant dans le replay mode, il y avait une fonction pour fusionner les replays, ce qui était vraiment bien, pratique. Ça évitait de faire plein de petits fichiers, on faisait un seul. Et
coup, ça faisait gagner énormément de temps, mais cette fonction, je crois qu'elle est, elle n'existe plus. Mais les mecs qui ont conçu Lightmatica, ils ont vraiment fait du travail de génie, quoi. Ils ont tellement magnifié le mode Schematica. C'est incroyable. Yes, RoboFox. C'est super. GG. Énorme merci. En fait, les rushs des timelapses, quand je veux faire les timelapses pour faire des épisodes sur YouTube, ça prend vite des dizaines de gigaoctets en fait. Donc j'ai pas énormément de place sur mon disque dur. J'en ai, hein, mais pas énormément. Voilà. Donc ça sature, au bout d'un moment, effectivement. Tous les Enderman, c'est incroyable. Ils sont tous là où il n'y a pas de lumière. La distanciation physique, ils connaissent pas. Oui, Mathéo, le créateur de Petit Fabric a jeté l'éponge, ouais. Il a quand même fait la mise à jour à 1.16.3, mais c'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce que pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a que Optifine qui permet d'avoir les shaders. Donc le jour où on n'a plus Optifine avec Fabric, on va se priver quand même de pas mal de mods, en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Parce que là, vous voyez, là, en fait, là, il y a un mélange de concrete powder et de terracotta. Et là, on voit vraiment quasiment pas la différence. Donc, ce que vous m'avez montré, la fonctionnalité que vous m'avez montré, elle est tellement puissante. C'est du génie. Et où le béton gris dur ? C'est dans la musique. Éteins la lumière, montre mon ton, Enderman. What? Ouais, un as, ouais. Je sais pas. J'en ai jamais eu. Mais c'est pas mal, ouais. Un NAS en fait, c'est juste comme si t'avais un serveur chez toi en fait, c'est ça. Hein, un disque dur accessible via ton réseau, si je dis pas de bêtises. Allez, un petit bout. Ensuite, on fait le béton gris clair. Il est quand même vachement pratique, hein, ce truc.
m'explose un peu les yeux. Alors c'est parce que je suis fatigué. Mais c'est quand même vachement pratique. En fait, pour utiliser le replay mode avec les shaders, il faut Optifine. Et du coup, moi, j'ai tout sur Fabric, en fait. Tout mon setup, là, il est sur Fabric. Ça marche très bien. Alors. Mais du coup, s'il y a... plus OptiFabric, tu peux plus avoir OptiFine, donc tu peux plus avoir de shader. C'est un peu dommage. Ça veut dire qu'il faut faire deux installs, une avec Forge pour avoir les shaders et une avec Fabric pour avoir plein d'autres trucs qui sortent plus vite qu'avec Forge en fait. C'est ça qui est un peu dommage en fait. Béton gris. Hop, on repose. Du coup, béton gris clair. Hop, OptiFine est une option spéciale pour s'installer lui-même, mais si tu veux l'utiliser avec d'autres modes, il faut Forge ou Fabric. Bonne nuit, Sir Monfred. Et à bientôt. Non, c'est pas ça. Schématique vérifieur, et donc on voudrait voir... A light gray. Hop. Du coup, je suis pas sûr qu'on finisse la couche ce soir, vu tout ce qui reste à mettre. Mais bon, on finira sûrement mercredi, du coup, le sol. Et puis... Ah, purée, par contre, là, un peu de mal à viser. Coucou Steelers. C'est vrai qu'il y a du monde ce soir. Toutes mes félicitations. J'ai appris pour le mariage. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, hein, mais Steelers va se marier. Yes, Brigitte et Odette, bienvenue à toi, je crois pas t'avoir salué.
de la Sainte Frette. Et je ne connais pas encore l'heureux cheval élu. Je suis pas encore marié. Oui, mais c'est qu'une question de temps. J'ai été baptisé de la Sainte Frite. J'espère qu'on sera invité et que le buffet sera sympa. Et merci beaucoup Jimmy Boy qui lance un raid avec un groupe de 175. Bienvenue à tous les viewers de Jimmy Boy. Bienvenue à vous. Hop. Nous sommes en train de faire le sol de mon hangar spatial grâce à Schématique. Au secours, c'est honteux, coucou. Merci pour les follow, bienvenue. Merci beaucoup pour les bisous de la part de Jimmy. Vous lui rendrez quand vous serez de nouveau sur son stream. Yes, like, j'aime la Blackstone. Hop. Et bonne nuit, Sixoyen Live. Et coucou Drinko, bienvenue. Merci à tous pour les follow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop, il faut manger, dis donc. Oui, le bot a pas annoncé le raid, c'est bizarre. Mais je l'ai vu dans le chat, donc... Le bot, il en a marre, il a annoncé trop de trucs ce soir. Entre le train de la hype, tous les follow qu'on avait déjà vus avant. Il s'est dit, oh non, ouais, c'est un lundi soir, on peut pas commencer la semaine comme ça, c'est trop là. Hein. Les bits, les subs, il s'est dit, moi j'assume pas, je cautionne pas, voilà, c'est un bot gréviste, exactement. Et, ah non, j'allais dire et voilà. Mais non! C'est normal que le texte de Join et Left n'ait pas écrit correctement. Comment ça, Join et Left? Ah oui! Oui, oui, oui! Nous sommes en langage lolcat. Un viewer a utilisé les pépites, donc les points de la chaîne Twitch, pour changer la langue du jeu et mettre en lolcat. Yes! Et merci le grand Guillaume. Hop. Bon, bah voilà. Donc, il nous reste à mettre le béton gris. Le béton gris en poudre et la terracotta. Mais... Ah, ça rend bien là. Mais les amis, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est 23h. Je suis désolé pour ceux qui viennent tout juste d'arriver. Mais... On a bien bossé. Hop, hop, hop. Hop. Et c'est le thé. Regardez. Ça commence à bien rendre. Hein. On va se poser là, tiens. Regardez-moi ça. I'm a single layer, 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 I'm a single layer. Voilà, on fait un petit coup de single layer parce qu'on l'a sous la main. Hop. Donc, on a bien bossé, je disais.
Je disais qu'on avait bien bossé sur ce hangar, les amis. Regardez, je vous montre comme ça. Il y a un rassemblement d'Enderman. Il despawn. Rigolo. Il y en a certains qui despawn, d'autres qui respawn. Bizarre. Ah, c'est son live anniversaire. Bah, tu vois, j'étais même pas au courant, Mich. Ouais, je vais renvoyer vers Wotan alors. Très, très bien. On va faire ça. Du coup, j'étais en mode cinématique parce que je regardais ça avec curiosité, mais. Un jingle chanté par toi-même pour accueillir les raids. Non. Bon, en tout cas, je vais déconnecter la Oranacam. Hop. Voilà. J'espère, les amis, que ce stream vous a plu. Pour moi, c'était vraiment un excellent stream et je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux un lundi soir et ça me fait extrêmement plaisir. Un énorme merci pour tout le soutien, que ce soit les follow, les subs, les bits, le train de la hype. Merci à la modération. Merci à tous pour votre bonne humeur, pour vos conseils. Je suis super content d'avoir découvert comment bien utiliser encore plus Lightmatica. C'était très sympa, j'ai passé une excellente soirée en votre compagnie, merci beaucoup. On se retrouve donc mercredi, si tout va bien, mercredi en tout début d'après-midi pour continuer ce hangar. Et sinon, on se retrouve mercredi soir pour une spéciale nouveau gratte-ciel sur les difficiles aventures. Et pourquoi j'ai pas Wotan? Pourquoi j'ai pas Wotan? Attendez. Ah, c'est The Wotan, c'est pour ça. C'est le nom de sa chaîne. The Wotan, voilà. Pour son live anniversaire. Et du coup, je lance le raid, les amis. N'hésitez pas à y aller. À mercredi, les amis. Bonne nuit et encore merci beaucoup. Ciao.